PGIA, un homme, un ministère. Avec toi, je relèverai ceux qui sont par terre. Avec toi, je ramènerai sur le chemin ceux qui sont au bord du chemin. Avec toi, je guérirai ceux qui ont le cœur blessé. Avec toi, je sécherai les larmes de ceux qui pleurent. Avec toi, j'agirai comme le Dieu de compassion. Tel est l'appel et le fardeau que reçut du Seigneur le pasteur Gustave Mbenze dans une vision claire qui va finalement le convaincre et le décider à s'engager pour le ministère. Issu d'une famille baptiste, Gustave Mbenze a personnellement reçu le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 14 ans au sein de l'Église évangélique du Congo, avant d'intégrer le ministère du combat spirituel en 1994. Depuis novembre 1999, Gustave Mbenze sert le Seigneur dans la communauté chrétienne Armée de Victoire. Il est le coordonnateur au niveau de Brazzaville et pasteur responsable de la paroisse du centre-ville. Passionné d'évangélisation, le pasteur Gustave Mbenze organise régulièrement, en collaboration avec le Corps de Christ, les réunions publiques, dont principalement le sommet évangélique annuel dénommé le Relèvement depuis 2010. Avec pour fondement Amos 9, verset 11, le Relèvement est un grand rassemblement évangélique qui draine de nombreuses foules. En marge de la campagne d'évangélisation, le Saint-Esprit a conduit le révérend Gustave Mbenze à organiser la conférence des ministres et ouvriers du Seigneur afin de renforcer leurs capacités et de magnifier l'unité de l'Église Corps de Christ. Les conférences du Relèvement connaissent année après année une plus forte mobilisation intergénérationnelle des serviteurs de Dieu avec la participation d'éminents orateurs du Congo et d'ailleurs. Il constitue désormais un grand moment d'unité du corps de Christ et d'échange d'expériences et l'un des grands rendez-vous chrétiens au Congo-Brazzaville. PGIA, comme l'appellent affectueusement les fidèles, croit foncièrement à l'unité du corps de Christ et à la collaboration ministérielle sur le fondement de la sainte doctrine, gage d'une Église forte et conquérante. Fidèle à cette vision, et convaincu que seul l'Évangile est capable de transformer l'être humain, il participe par ailleurs à des rencontres, conférences et sommets, tant au niveau national qu'international, auxquels il est invité comme orateur. Pendant ces campagnes, des vies sont transformées, des familles restaurées et de nombreuses âmes gagnées pour Christ. Homme engagé pour le Seigneur, le révérend Gustave Mbenze est père de famille, marié à Christine depuis 2000.